on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me maquille comme une femme. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Et let's go. Les amis, je crois qu'il est temps de commencer cette vidéo. J'ai le tout, mais de tout, mais de tout. J'ai l'eyeliner, j'ai les pinceaux, j'ai les rouges à lèvres, j'ai les fonds de teint, j'ai les fards à jour. J'ai même plein de sortes d'autres sortes de crayons de toutes les couleurs. Donc voilà, j'ai vraiment plein de choses. Donc on commence avec le fond de teint. Ça sent très bon. Pas beaucoup de verre, mais ça sent bon. C'est super liquide. L'étale. Ah, j'en ai encore plein sur les mains. Maintenant, j'utilise Beauty Blender. Et j'étale partout. Donc l'un côté qui est bien étalé et la l'autre qui est n'importe la ouac. Je me passe si je fais bien ou pas. Mais regardez ma main. Je sais pas si vous voyez bien. Mais regardez ma main, cette main. Ça ressemble plus à rien. Bon bah pour le reste, on va utiliser les pinceaux. Hein. Donc maintenant je vais mettre l'anti-cerne, donc je vais être là, je crois que j'ai un pinceau dedans. Oui, je vais utiliser peut-être le pinceau, je sais pas si ça va faire un carnage. Vu que c'est la première fois que je me maquille, mais vraiment, hein, c'est normal. Donc ensuite, l'anti-cerne, c'est ce qui brille, donc c'est ces trois-là. Je vais me mettre le plus clair. Je vais plutôt me servir dans mon doigt. Ah ouais, là c'est la situation. Dans le miroir, dans la palette, comme ça c'est vachement utile. Donc comme ça, avant j'ai utilisé un peu foncé. Horreur. Non, hop, ce côté. Non. Donc maintenant on va passer à la palette des yeux. Donc là. Et puis on aura aussi ça. On aura aussi les crayons pour mettre soit au-dessus là ou soit là. Donc en fard à paupières, on a un violet clair qui m'intéresse pas trop. Heureusement qu'il y avait une table. On a un rose gold. Peut-être je peux mettre celui-là. Vous connaissez. Noir. Ah, on peut peut-être mettre celui-là au final. C'est beau. Mettre. Bon. Voilà. On verra après parce qu'on a encore des palettes. Je ne sais pas si vous les voyez, vous. Passons à la la palette gold L'Oréal Paris. Ah ouais, ça va être trop beau. Derrière j'ai les couleurs, donc vous allez découvrir tout à l'heure. Voilà, trop beau. Enfin, j'ai pas vu le jeu. Trop beau. Ne trouvez-vous pas ça trop beau? Ça beau, mais c'est pas pour ça que je vais mettre une couleur. J'adore la couleur, mais je vais pas mettre celle-là. Moi je suis plutôt dans le rose noir, mais sinon j'adore. Et voilà, je vais vous montrer le carré. Voilà. Oh, il est trop beau. Il fait bien le noir. J'aime bien. Je viens de découvrir qu'en fait il fallait mettre un foncé là et un clair là. Ok. Donc je vais le poser, je vais prendre celui-là et je vais mettre sur toute la paupière. Je vois la poudre qui part à côté. Lui il est. Ah voilà. Déjà comme ça. Bout normal. Mon petit. On peut le voir rien. Je vais le faire celui-là. Je sais pas si c'est un truc, mais.
Ah oui. Je ne comprends pas ce système. Je ne comprends pas ce système. Je ne comprends pas. Je vais peut-être le faire avec les doigts finalement. Ah voilà, enfin c'est bon. Ouais, c'est trop fou. Ah non, c'est ça va être plus galère que c'est déjà je comprends rien. C'est bien que moi j'en ai rien du tout. Pourquoi je me prends sur ici? Avant de faire cette vidéo, je pensais que j'allais tenir le maquillage, un bon maquillage, mais en fait non. Donc voilà, maintenant je passe au noir. Ah mince, désolée, je ne vous ai pas monté de plein. Non, donc voilà, lui aussi c'est un passant normal. C'est nous qui n'est pas. Peut-être c'est bon, non? Ah, il faut plutôt tapoter le noir. Ressemble à rien. Ressemble à nada. Bon. Je vais essayer d'enlever ça. Ah non, en fait, ça empire. Ça empire. Ah non. Ça froid. Oh non, ça froid, je ressemble à rien. Comment elles font les maquillages beauté? On dirait un froid. Elle dirait que j'ai des cernes, mais inversées, du sens inverse. Regardez-moi ça. Oh, je ressemble à rien. Donc maintenant je vais passer au crayon de couleur. Non, pas pour dessiner, hein. Enfin pas pour dessiner. C'est pour en fait ce que tu mets là. Je vais prendre du bleu. Je vais voir entre le bleu océan ou le bleu foncé. Donc voilà tout ce qu'il y a, je vais le remettre. Donc le bleu océan. J'avais complètement oublié que j'avais cette mine affreuse. Alors, c'est super facile de mettre, je crois, ce truc. Ah non, je l'ai raté, je crois. Comment je vais enlever ce maquillage? En fait, j'en ai plein. Pas trop. Ça se fait un peu et je cherche rien. Bon, c'est mieux que l'autre. Ah, j'ai cheveux en premier. C'est mieux que l'autre, d'ailleurs. Et pourquoi l'aurait les yeux, c'est pas mal. Mais bon, pourquoi je ne fais pas avec la main parce que je sais que je fais. Ça ressemble à rien encore. T'as vu là, il est mieux fait. Vous comprenez ça? Mes yeux sont un peu plus là. Mes yeux sont un peu plus. Ça m'en marre. Je ne ressemble à rien. Il faut que je mette du mascara. Je vais sourire, j'ai pas envie, mais bon, il faut jouer le jeu. Une vraie femme, ça met du mascara. Je pense que je vais prendre celui-là, il a l'air trop beau. Je vais l'ouvrir. On va bien découvrir sa couleur. Oh, regardez cette couleur. C'est parti. Ça, c'est une petite pêche. Ça arrive juste à ce moment-là. Je sais pas si vous voyez, mais là, une mouche. Juste à ce moment-là. Rien. J'en ai mis trop là.
En plus, moi, j'étais trop comme... Moi, en plus, dans mes cils, au lieu d'être comme ça, j'étais trop comme... Celui-là, c'est bon. On passe. Arrête. On passe. À celui-là. C'est à moi, c'est celui-là, je le fais. Bon, il est quand même horrible, mais c'est celui-là, alors je le fais. C'est une sorcière. Halloween, je me maquillerai. Je ressemblerai à Ryan. Je me maquillerai. Je ferai peur, ce sera bien. Les gens vont me dire bon déguisement, mais en fait c'était pas un déguisement, c'était un vrai maquillage que j'essayais de refaire. Donc on va faire les sourcils et pour ça j'utilise des crayons. J'ai deux marrons et un noir. Je vais utiliser sûrement le noir. Je ressemblerai. Non, pas le noir. Ah mais pourquoi je mets le noir? La couleur de mes sourcils donc. J'utilise celui-ci, c'est celui qui ressemble le plus à la couleur de mes sourcils. Vous avez vu la mimique de quoi? Si je me fais un mono sourcil. Ouais. Attention au mono sourcil. Je vais faire un mono sourcil. Comment elles font les femmes pour faire le mono sourcil? C'est moi, voilà. Comme ça. Ça, ça va. Ah, ça fait vraiment mono sourcil. Ah, j'aime bien, ça fait plus mono sourcil. Ouais. Je les brosse. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Ah mais c'est trop bien. Moi le matin j'ai tout le temps besoin de me brosser les sourcils parce que voilà j'ai toujours un mono sourcil. Bien. Et puis ça comme ça. C'est bien la fois quand j'ai oublié. Oh, le premier. Voilà le deuxième. Voilà l'avant-dernier. Et voilà le dernier. C'est décidé, mon choix est fait. Je prends ceci. Vous pouvez peut-être voir qu'on a un peu un petit dessin. Donc avec un pot passeau comme ça. Mmh, sang. Enfin oui, c'est un peu normal. C'est d'abord mon expérience que j'avais coupé. Je vois rien, je peux pas voir ce côté. J'ai pas les super pouvoirs. Ensuite on va mettre du bronzer, donc au revoir mon pot. Je reprends ma palette orange et rouge. Ah, j'ai des fourmis dans le pis, c'est super mal. Donc, je dois faire de là à là et de là à là et tout là. Ah, j'ai des fourmis au pied. Plus cette poudre, mais elle est bien. Ah ouais, là on voit bien. Donc maintenant on va passer à l'highlighter ou un pinceau fluffy. Voilà les fards que nous avons là. Oh, je sais pas lequel utiliser. Je choisis le. Le premier c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Là on a l'impression que c'est un peu mat du coup. Mais en fait c'est trop bien parce que c'est pailleté. Et moi, le rose gold et le pailleté, c'est mon affaire.
ressemble trop à rien, mais c'est vrai. Mais elle a pas pire que moi. Elle a pas pire. Après, je suis fière de mon sourcil comme elle est fait. Mais pas fou. Après, si encore, s'il aurait un ensemble de couleurs, ça irait mieux. Mais là, du rose, du vert, du bleu, du jaune. C'est trop beau, j'adore. Non, c'est l'ironie. Ça veut dire que je plaisante. Pour finir, le merveilleux, le beau, le spectaculaire, rouge à lèvres. Voilà tous les rouges à lèvres qui tombent pas. Merveilleux. Je vais essayer de passer. Je vais prendre un beau rouge, un beau bien rouge, bien rouge, rouge, rouge. Je vais essayer. Là. Oh, il est beau. Ah, finalement, il est beau celui-là. Mais c'est un beau la vanille, j'ai l'impression, une fleur. Trop beau. Je choisis celui-ci. Je pas... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Bien rouge, qui ressort bien pour bien faire ressortir des lèvres. Déjà, bon, plus. Non. Faut le voir avec ça. Oh my god. Oh. C'est vrai que je me suis gagnée. Bon, je dirais à tout le monde que c'est une piqueur de moustique. Toi, mais il est trop beau. Ça chatouille. Bonjour Maria. Le bal est bien parti, mais le haut, alors là, je suis vraiment pas. Voilà le talent de maquillage. Ah, ça colle. Bon, pour finir, je vais me mettre une petite brume. Bien sûr, vous ne pourrez pas la sentir parce qu'elle sent. Pour fixer le maquillage, hein, pour bien coller. Oh, je cours, c'est jamais. Le lama faut que. Dernier petit coup. Ah, ça fait mal. Donc voilà, mon maquillage est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si les commentaires sont ouverts, hein, n'hésitez pas à noter qui est le meilleur. J'ai oublié le chouchou, mon petit palmier, comme une Nadège Candle parce que je l'adore. Comment tu fais Nadège Candle? C'est galère à faire un palmier. Voilà, c'est bon. Mon petit palmier. Voilà, mes petits palmiers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et je vous fais plein de petits cœurs. Et on se dit à la prochaine vidéo, mes petits palmiers.